Allez, dernière mission sismique. Ah non, il y en a peut-être d'autres encore. Non, il y en a d'autres, je crois, sur la faille. Bon, bah dernière sur Zimnegorsk en tout cas. Et c'est la seule. Recherche géologique. Avant, il y avait ici une station de forage, mais elle a été abandonnée quand l'extraction est devenue difficile. On pense cependant qu'il y a encore des réserves à exploiter. Vous pouvez enquêter. Oui, je peux. Je peux le faire. Elle est suivie. Ok, on va partir avec le Board, comme j'avais dit. Il avait déjà équipé le truc, alors je sais pas pourquoi. Je sais pas quand est-ce que je l'ai pris. Alors, 510 mètres, 829 mètres. Merde, c'est pas ça que je voulais, c'est pas ça que je voulais, c'est pas ça que je voulais. 1057. Bon. 510, à mon avis, c'est là-bas. 800 mètres, ça va être au sud. Et 1000 et quelques, je me demande si c'est pas là-bas. Oh, je me demande s'il n'y en avait pas une là-bas. Bon, on va commencer par aller de l'autre côté là-bas. Et on verra ce qui se passe. Je crois qu'il y en a une dans le coin, donc. Je me spoil pas, j'ai pas été voir sur machin. Généralement, les sismiques, j'essaie de pas me les spoil par contre. Autant je me spoil parce que je les connais déjà. Les améliorations et tout, c'est pour éviter de l'oublier. Bon, alors clairement, ce n'est pas le véhicule idéal. Il est trop gros, il consomme trop. Il tourne bien. Il tourne bien par contre, ça pourquoi pas. Mais ce n'est pas du tout le véhicule fait pour cette mission. Qu'est-ce que je suis en train de foutre? C'est pas grave. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vraiment aucun sens. Mais c'est pas grave, on est là pour ça. On est là pour ça, on est là pour tester. Alors j'ai utilisé que pour deux missions celui-là. Donc j'ai vérifié que je l'avais pas déjà pris pour autre chose. Hop. On va être pas mal, on verra. Alors, par là. Alors, pas dans le creux, s'il te plaît. Merci d'avance. Alors, 600, 480, 924, bon, je me rapproche de tout, forcément, je suis un peu en diagonale, merde. Ah! C'est pas ce que je lui demande. Donc, pour l'instant, tout va aller bien, on va se rapprocher de tous les points, puisqu'à mon avis, de toute façon, ils sont en ville, les autres. Ah, le torrent, là, il est quand même vachement puissant. Même le Board, il se fait emmener, hein. Pas trop non plus, mais trop tôt pour mettre le peps maintenant. Alors, 367, 675, je m'en éloigne. Alors, j'avais dit que je me rapprocherais surtout du premier et du dernier. Puisqu'il y en a un qui doit être tout au sud. Celui-là qui est du côté du puits de forage. Bon, j'espère que la mission va pas être trop longue. Ça va être un vrai plaisir de se taper les trois rondins longs là. Emmener à la Syrie, ça va être génial. Hein. Un plaisir non dissimulé, je pense. Trois allers-retours, peut-être trois véhicules, je verrai. Trois véhicules, trois types de remorques, je sais pas trop, on verra. Faut que je réfléchisse à ce que je peux faire de sympathique. Cent 650, 600, 680. Ok. Ah, le 600, je commence à m'en éloigner. Alors, 145 mètres, ça commence de sonner, donc on n'est pas loin. 137, 134, 130. On continue de se l'approcher, donc on va continuer dans cette direction. 112, 109.
Il se démerde le bord. Lentement mais sûrement. 84, 82, 80, 79, 78, ça réduit. 78. Ah, je me rééloigne. Je me rééloigne donc. Je supposerais que c'est par là-bas. Est-ce que je coupe à travers champ? Bon, allez, pourquoi pas. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je crois que je suis monté sur un sapin là, il aime pas. Ah, il y avait un gros caillou aussi. 53, 48, 40, 28. Ouais, on a l'air d'être bon. Hein. 20, on est bon. Est-ce que je fais une petite photo avec le. Ah, c'est pas ce que je veux, je suis en train de me gratter. Avec le détecteur sismique activé. Oh, fais chier. Allez, dépêche-toi. Je pensais faire une photo vite fait. Et c'est toute une organisation, tout à coup. Ah, il y a des arbres. Ouais, d'accord. Ouais, c'est un petit peu plus sympa que celle tout à l'heure de la route classique. Ça sera bien, je pense. Allez, c'est parti. Ouah, je vais pas le prendre avec le truc. Ça touche le sol? Ah, ça a l'air de toucher le sol. Hein. Pourtant, il me paraissait super haut et pas du tout fait pour, mais... Bien, alors, 725 et 744. Ouais. Je crois qu'il y en a un là-bas. Hein. Je crois qu'il y en a un là-bas. Je me rappelle qu'il y a une connerie. Je sais plus ce que c'est, mais c'est une connerie. Il y a une connerie en bas. Donc va falloir que j'aille là et l'autre ça doit être quelque part. Ça se trouve dans la faille là, je sais pas trop, on verra. Bon, bah on redescend. Hein. On va passer par la route. J'espère que l'essence ça va le faire, j'ai déjà quand même perdu 100 litres. Hein. Doucement, doucement. Eh bah oui, bah doucement j'ai dit, hein, mais. Ouais, là, peut-être pas exagéré. Hein. On va mieux mettre la. Peut-être pas le bloc dish, ça a pas l'air nécessaire. Mais la lande, par contre, ça m'a l'air obligatoire. Alors, 694, 637, 634. Alors, je me rapproche des deux. Il y en a un peu plus vite que l'autre. Ça fait très bizarre de voir un véhicule comme ça badass à ce point avec le vibrateur sismique qu'on met sur du limite du Fistar, je crois. Ça fait très bizarre. On dirait que le camion est déformé. Déjà qu'il a une gueule bizarre, mais alors de pouvoir prendre un module de place qu'on met sur d'autres véhicules beaucoup plus polyvalent classique. Aïe! Ouah, alors là, je m'en doutais pas à ce point. Ah, c'est le problème, c'est. Il saute un petit coup et en atterrissant, il s'éclate dedans. Ah, ça fait chier ça. Ça va, il n'y a pas trop de casse, mais il a pris quand même cher. Ça, c'est soit tu te traînes sur cette carte, soit tu défonces tout parce qu'il y a des rondins, il y a des trous au milieu des ponts ou des passages. C'est un désastre. Ouais, là j'étais à l'arrêt.
Alors, 433, 470. Ouais, j'ai pas tant. Moi, j'ai gagné 200 mètres quand même. Hein. Mais par contre, le point que j'ai mis, il est pas bon. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Bah, j'ai peut-être mis un point sur le chemin. Hein. Ouais, un petit peu de boîte auto. Ouais, pour aller me ramasser dans les rondins, là, à mon avis. Non. Ah, c'est la scierie que j'ai marquée, là, je crois. Alors 299. Donc ça va probablement être le premier qui va être là. Alors j'ai, je crois que dans les dernières missions sismiques, j'ai oublié de montrer où c'était. Je vais essayer d'y penser cette fois. C'est pas gagné, mais je vais essayer. Je vais essayer de remonter les trois à la fin. C'est pas une tâche, hein, on est d'accord. C'est un défi, ça. Hein. Ah oui, c'est la livraison, d'accord. C'est le point de livraison des troncs. Putain, la vache, n'importe quoi. Je me rappelle, là, je l'avais triché. Quand je l'ai fait la première fois, je crois, j'en avais marre. J'avais pris une 5 places. J'avais tout foutu dedans, les troncs. Je l'avais foutu par terre et j'avais fait mes 3 chargements comme ça. Oh, c'était pas beau. C'était pas beau, mais les développeurs ont un peu abusé. Et il n'y a pas beaucoup de choix, de possibilités, tout ça. Alors, 176, 177. J'avance et je m'éloigne. Comment veux-tu? Donc ça a bien l'air d'être au moins par là. Ouais, ça passe pas là-bas. Hein. Mon avis, c'était là-bas. Hein. Je crois qu'il fallait aller vraiment sur les îles. Alors, où est-ce que je peux y aller? Peut-être un peu plus en arrière. Ah, il y avait par la plage, mais t'es pas une flèche quand même. Hein. Essayer par là, ça a l'air d'y aller. J'espère que le véhicule va faire le boulot. Je vais plus avoir assez d'essence. Ça va être très très juste pour revenir. Hein. Moins de 150 mètres. Ok. Je suis quasi sûr que je me rappelle que c'était là-bas. Et c'était vraiment abusé, il me semble. Oh la vache, c'est profond! Wow. Avec un joli petit courant, histoire de t'aider un peu. Je crois que je vais avoir besoin d'un treuil. Hein. Parce que là, je suis foutu là. Et même là. Ouais, c'est pas. Quelle zone de merde, 32 mètres. J'aurais pu avoir un meilleur véhicule, mais il faut quand même quelque chose de très bon. On voit que j'ai traversé la carte assez facilement. Mais là, j'en chie. Hein. Ah non, là, c'est abusé. Là, là c'est abusé, franchement. Il n'y a pas de photo à faire dans le coin. Non. Peut-être vers le phare, on verra, mais. Voilà, c'est vraiment une zone pourrie là. Ouais, puis, voilà, même faire le demi-tour, ouais, faut mieux que j'avance. Mieux que j'avance, la zone elle doit être plus facile à rouler. Si je me retourne pas, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu incliné. Ça y va.
Oh, sans déconner, le rocher qui est sous terre, ouais, d'accord. Ah là là. Bon, 88 litres d'essence, ça devrait y aller, mais tout juste. Hein. Pour rejoindre la ville, rejoindre la citerne du 4 et faire le dernier point. Je suis en train de me faire emmener, encore une fois. Allez, tourne, 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 adhère, 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 adhère. Tu peux pas attraper celui-là? Si, tu peux attraper celui-là, vas-y. Et ça va pas y aller, ça va pas y aller, si ça va y aller, ça va y aller, ça y va, ah, si ça y va, impeccable. Ok. Bon. T'as pas le... Mais j'ai pas le treuil... Land, ça va un petit peu mieux. Allez. Comment ça je l'ai pas? Bah quand même, la vache. Je dois avoir mis un truc de merde dessus. Allez, ça devrait y aller pour rejoindre, mais ça va être très juste hein, pour faire le plein. On va essayer de s'en sortir seul, ça va être très juste quand même. Il s'est quand même bien débrouillé le bord. Hein. Franchement pas mal. Bon là il y a eu besoin du treuil, mais en même temps... Vraiment de la zone pourrie. Hein. Allez, pépère, t'y es presque. Soixante litres, ça commence d'être juste là. Hein. Ouais, va falloir y aller, mon pote. On enlève carrément la WD, je pense qu'il n'est pas nécessaire. Pas de bloc diff, pas de WD. Boîte auto. Faut que je fasse gaffe au coin où on se retourne, là, juste après. Ah ouais, celui-là, ouais. On rapproche de la vigne. Encore quelques zones pourries, je crois. Ah non, c'est des dalles ici. Par contre, il y aura encore de la boue. Allez, vas-y. De la boue entre les dalles, comme ça tu t'enfonces et bam, tu tapes dedans. Voilà, par exemple. J'ai pas le temps. J'aurais pu éviter ça, mais... ouais. Ah, et puis, voilà. C'est exactement ce que je me disais. Alors, je pensais pas que ça allait être l'arbre qui allait faire catapulte. Mais je me disais que j'allais me faire renvoyer ou plonger dedans. Le sanglier. Allez, vas-y, mon beau. Hop. On économise. On y est presque. Ok, je suis en ville là. Donc d'abord à gauche, ensuite à droite. On est au pont et on peut faire le plein. C'est de la zone de merde ici. Non, ça va. Ça va être très très juste. Hein. On devrait y aller, mais ça va être juste. Ça va y aller. Par contre, dans la cour d'usine, là, ça va peut-être être chaud. Hein. 178, 180. Ah, je m'en rééloigne là. D'accord. Bon, je suis désolé, faut le plein là. Pas le temps de jouer là. 224, 234. Ok, ok. Je vais même pas m'approcher trop près, comme ça je pourrais reculer. Comment ça, je peux pas? Quand même! Il est presque stylé quand même comme ça. Hein. C'est assez rigolo. Alors, on est à 275. On s'est vachement éloigné de ce sens-là.
On va se garer vers le pont. Là où il y a la bifurcation. Allez, avance. Voilà. Mettre la journée. Alors, où est-ce que ça peut être? Il me dit de 240. Oh bah c'est au phare. Oh bah c'est au phare. Ah, ça peut peut-être faire une photo sympa, on verra. C'est au phare. Bon bah allez go. Ça a l'air clairement d'être au phare vu la distance. Je me suis éloigné quand j'ai traversé le pont. Ça doit être au phare. Allez, je pense à vous montrer les points. Je pense à vous montrer les points. Au pire, de toute façon, vous avez la soluce complète hein, en vidéo. Mais c'est vrai que ça pourrait être pas mal que je vous montre les points. Mais il y a des fois, j'oublie, je me dis il faudra. Et puis je cherche, puis j'ai un problème. Et puis j'oublie à chaque fois de vous montrer. Il y aurait quelque chose à faire. Non, 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 non. Oui, il y a un truc à faire très, très joli là. Le véhicule un petit peu vers le bas. Qui tourne. Le phare. Oh, que oui. Alors ça spoil un petit peu, mais. Un petit peu en vue contre-plongée peut-être. Faut que je fasse gaffe avec le titre, même que. Voilà. Ah, par contre, du coup, les lignes, ouais, vu qu'elles sont au premier plan, elles se foutent vachement devant. Hein. Si je me rapproche, c'est chiant ça. Bon, ok. Donc, je prends mon point dans la gueule. Ensuite, je vous montre où étaient les objectifs. Je m'attendais à ce qu'il y en ait un de l'autre côté du pont. Bah, non. 23, 18, 17, 16, 15. Et c'est plus bon. C'est sur la plage. 14, 20. C'est bien, il passe de 0, 20 à 14. Allez. Et je vous montre les points. Je vous montre les points. Je vous montre les points. Ok. Eh bien, vous n'avez pas traîné. Si être chauffeur ne marche pas, sachez que vous avez une carrière prometteuse d'arpenteur. Ouais, enfin, si je traîne pas, ça veut dire que je suis un bon chauffeur, non? Ça veut pas dire qu'il faut que je me recycle. Alors, nous avons donc un point ici au niveau du phare, donc par rapport au garage hein, qui est là-haut. On a un point qui était ici sur l'île. Alors, bien ici, là, il te montre pas, mais là, c'est de la flotte. Là, c'est de la flotte, là, c'est de la flotte. Et là, encore ailleurs, je crois. Et le dernier point était là-haut, alors approximativement, ouais, ici. Ça devait être là, sur les cailloux, en gros. Donc voilà nos trois points, ils sont pas très très distancés et puis hop, on fait un triangle, voilà, triangulation. Je sais pas pourquoi, mais triangulation. Donc voilà les trois points, et bah écoutez, on a fini la sismique, c'était assez sympa en Beauhar, c'était rigolo. Avec la petite couleur custom qui était pas mal. Allez sur ce, ciao.